on s'était quitté devant l'arène. Et pour info, ça sera la première vidéo de Fold 3 en 4K. Ouais, même Fold 3 maintenant a droit à ses vidéos à 4K, c'est pas ouf ça. Il le mérite. Bon, alors comment faire? Ça fait un bail que j'ai pas joué. Donc il faut que je me réhabitue aux touches et tout, sinon ça va être galère. Ok, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Là on a le choix des armes, ça marche, ça c'est rangé l'arbre, ça c'est dégainé, ça c'est le sable. Le sable il est comment le sable? Ah, ça c'est le sable, voilà. Ok, le SAB quoi. Ça c'est vraiment. Ensuite, c'est bon. Encore toi? Oui. T'en veux encore, hein? T'en veux encore, mais j'ai pas combattu, qu'est-ce que ça raconte? Je veux combattre dans l'arène. Ah ouais? T'as vraiment envie de mourir? Non. Oui, inscris-moi à un combat. D'accord. J'ai un combat tout prêt, là. Sinon, tu peux prendre un peu de temps pour mettre tes affaires en ordre. À toi de voir. Oh, vas-y, je suis chaud. Contre qui je vais me battre? On va te balancer là-dedans avec d'autres scabs qui se croient à la hauteur. Tu vas devoir te battre. Le dernier survivant passera à l'étape suivante. Mais ça m'étonnerait que t'en fasses partie. Ah bah merci. Allons-y. Si tu te sens d'attaque, on y va. Ben je t'attends moi. Là j'y vais, moi je rentre tout seul parce que si j'attends sur elle, c'est pas gagné. Ils vont se battre! Ils vont mourir! Tout ça pour vous! Pour vous divertir! On peut se servir des armes ou pas là? Je crois qu'on peut se servir des armes, parce que si on peut se servir des armes, je vais les défoncer. Hein. Y'a pas de soucis. Hein. Tiens, je vais utiliser ça. Ah, carrément, ouais, d'accord. Ok, ils ont pété mon arme, tu. Ils ont déjà niqué mon arme. C'est des ouf. Tiens, j'utilise ça. Oh, je vais me faire défoncer en fait. J'ai plus l'habitude du tout à jouer et ça se voit. Mais non, mais lui qui est devant, connard. Ah, c'est efficace contre eux. Le laser. Grand, très efficace même. C'est de la bombe. Combat escape. Elle bouge bien, elle, putain. Et il n'y a plus qu'un adversaire debout, un ben seul. Oh, oh, oh mes amis, quel combat fantastique! Jusqu'où ira cet esclave? Je ne sais pas. Armure de plus, cartouche ouais, plus chinois. Il faudra que j'allume le mien quoi. Alors fusil chinois, j'en ai deux. Comment on fait pour réparer quand je me... C'est Y. Que j'ai des armes en double corps. Je serais bouffé des radiations. Elle ouvre l'autre que j'ai tué, je m'en rappelle plus. Oh putain, ouais ça je veux. T'as les balles qui m'avec, poulette. Ouais. Ok, c'est cool. Bon ben premier combat gagné quoi. Waouh, impressionnant esclave. Il faisait partie des scabs les plus durs du coin. T'as l'air de savoir te battre, mais t'excite pas trop. Assure, t'as sûrement préparé quelque chose de spécial pour ton prochain combat. Voilà quelque chose pour les rades. Profites-en tant que tu peux. Reviens quand tu seras d'attaque pour ton prochain combat. Vas-y, let's go. Hein. Alors quitter le trou, se préparer au deuxième combat, entrer dans le trou. Encore toi? Ouais. T'en veux en... J'ai eu d'attaque. Mieux vaut ne pas compter sur la chance cette fois. T'as intérêt à assurer. Contre qui je vais me battre? Ashur a dit qu'il voulait que ce soit un beau combat, alors il t'offre les frères Bear. Une belle paire d'enfoirés. Selon la rumeur, ils ont même déjà à moitié viré Trog. Mais je suis sûr que tu vas t'en sortir. Sans problème. Ouais, allons-y. Parfait, c'est le genre de choses que j'aime entendre. Vas-y! Oui, madame. Je vais recharger.
Voyons ce que cette tête nouvelle pourra faire face à de vrais combattants. Allez, battez-vous. Oh putain. Ils ont des lance-flammes. Bon, il faut que je les... La tête, ouais, bon, je peux essayer de ça et un coup là. Go critique, John. C'est qui le roi, les gars? Incroyable! Cette nouvelle tête promet beaucoup, mes amis. Ouais. Alors, il y a quoi? Il avait une grenade. Ouais, ça, je prends la grenade. Je kiffe les grenades. Protection bouclier gamma. Protection bouclier gamma. Putain, ça a l'air qu'ils font le truc là. Bon, je sais pas. Protection bouclier gamma. Lance-flamme, ouais, ouais. Bon, ça, je peux le prendre, je peux les vendre après. Son poids, il est énorme celui-là. Et lui, il a une protection bouclier gamma. C'est... Est-ce que j'ai un truc comme ça, moi? Il me semble pas. Les voisins, ah si, j'ai dit. Ah, je peux peut-être le réparer en fait. Donc je vais le prendre en fait. Et si je peux réparer la mienne, ouais, je pense pas. Ah si, nickel, c'est nice. Voilà pour le deuxième combat. Pas mal, la meule, pas mal. Les frères Bear étaient des méchants. Plus méchant. Qu'un combat et tu es libre. Cool. Mais n'espère pas trop gagner celui-là. Voilà une picousse contre les radiations. Reviens quand tu seras d'attaque pour ton dernier combat. Mon dernier combat, bah vas-y, on y va maintenant. Encore ça, toi fait. T'en veux. Ce sera ton dernier combat, Scab. Si tu le gagnes, je t'appellerai plus jamais comme ça. T'es d'attaque? Toujours. Tu vas affronter Gruber. C'est l'un des rares esclaves Gruber. À avoir gagné dans le trou. On en a eu combien jusqu'ici? 3? Je crois qu'il aime l'odeur du sang. Mais malheureusement pour toi, il a un sacré flingue. Alors c'est probablement la dernière fois qu'on discute ensemble. Ce qui m'a rien, c'est que il s'appelle Gruber. Et dans The Art Vendetta, sur GameTube, l'ennemi aussi, c'est Gruber. Ah non, ouais, il y a un ennemi qui s'appelle Gruber, celui qui fait de la musculation. Donc voilà quoi. Allons-y. Hé, hey, parfait! C'est le genre de choses que j'aime entendre. Vas-y! Oui, madame. Je suis en fait la bouille pour chien. Invaincu dans le trou, Gruber attend toujours un adversaire à sa hauteur. Quoi il veut, Gruber? Alors, Gruber, j'aimerais bien te balancer des grenades à la gueule. Si tu le veux bien. Que j'en ai autant il les utilisait. Il est où ce con? Je vais lancer deux grenades. Ah, mais je suis à poil moi! C'est pour ça que je me prends des dégâts, putain. À poil, putain. Je me bats en slip. Trop marrant. Non, on va changer d'arme. C'est quoi l'arme? Ça, c'est la flamme. Ouais. Tu me diras, vas-y. Brûle. Et Gruber tombe! Gruber tombe! Le champion est renversé! Un nouvel esclave sort du ruisseau pour nous rejoindre! Acclamez-le! Il l'a mérité! Alors, cartouche infiltrateur. Est-ce que c'est l'arme infiltrateur? Putain, il y a la protection bouclée, gars, on s'en fout. Casque métal. Ouais. Bon, faut que je me débarrasse de quelques trucs. Lance-flamme. Ah bah j'en ai deux. Pourquoi
coup j'ai les deux. Comment fais-je jeter encore? Abandonner X. Ouais, j'aurais pu réparer, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il est où? Réparer. Bah nickel. L'infiltrateur. Merde, il y a l'arme là. Tu veux voir? Bah, c'est une arme silencieuse quoi. Avec viseur. Good, good, good. Quelle armure que j'ai. Ouais, bon bref, attends, lui il a une putain d'armure aussi, hein. Enfin, il a une armure mieux que moi. Que mon armure, j'ai l'impression que c'est de la merde. Carrément. Non, c'est la même que moi, visiblement. Maître, vas-y, je me mets ça plutôt. Ah bah non, c'est ça que j'ai. Protection bouclier, gamin. Ouais. On est mieux comme ça quoi. Hé, hey, tu t'y entends, récup? Félicitations. T'as fait du beau boulot. Assure vos devoirs. Les gardes ont reçu l'ordre de te laisser passer. Travail libre. Qu'est-ce qui te fait sourire là? Dégage. Dégage. Alors si je fais ça, ça va marcher. Dégage. Si je tiens une balle à la tête, ça marche. Est-ce que c'est le watch shot? Ouais. C'est silencieux, il devrait pas entendre. Oh ouais, visiblement ils ont pas entendu. Ah merci, ils ont entendu, fait chier. Il y a un bleu là-bas, j'ai pas compris. Un vert plutôt. Je peux pas la fouiller? Putain, genre, avec un silencieux, il devrait même pas entendre. Ouais, ils sont tous méchants. En fait, il y en a un, il est pas méchant, je sais pas pourquoi. Bizarre. En fait, c'est eux qui ont tous peur, mais il y en a un, il est vert. On est d'accord, il y avait un mec vert. Voilà, il y a un mec vert, il y en a un. Ah, bah c'est là en plus. C'est une garde. Ah, c'est pas elle qui est vert. Je comprends pas son délire. C'est une garde, mais elle veut pas me tuer. Ah, ça. À mon avis, c'est les esclaves que je vois en vert. Bon, bref. Récupérez votre matériel. Traversez la ville haute et rejoignez Haven. Okay. Je récupère mon matériel, sachant que j'en ai plein là. Mon matériel. Ça c'est le trou, on s'en fout. Mon matériel il est où? Là, mon matériel. Si vous allez voir, hein. Oui, j'ai récupéré mon matériel, mais il est où? C'est pas précis leur truc. Mais je pense que mon matériel, il est chez Hachur. Il est pas là du tout. Hein. Est-ce que je me souviens? Parce que là, on voit rien du tout. Hein. Ouais, non, c'est Hachur qui a mon matériel. Le plan.
Non, mais visiblement, il y a un truc juste à droite là. Ah, c'est haut quoi. Je pense que c'est haut. Plus on bosse, moins les chefs font attention à ce que prépare Marco. Ouais, c'est en haut. Ah, me dit ah oui, mais c'est étonnant. Vers ville haute, ok, donc je suis là. Je vois où ça mène. Ah, c'est la sortie quoi. Ah non, je suis con, ouais, ok, c'est là. Donc je peux monter en fait. En fait, en plus, il faut que j'aille là. Mais il y avait des. Mais il faut que je récupère mes. Mes trucs d'abord. On va regarder un truc. Il veut quelque chose. Nope. C'est vraiment Mad Max. T'as eu la fatigue. Que ça c'est des jets. Jette-moi ça. Beaucoup de jets. Voilà, et quoi là-dedans? C'est fini la fente, j'imagine. Ouais. T'imagines bien. Tu as gagné ton ticket pour quitter la ville basse. Je vous laisserai pas tomber, vous inquiétez pas. Ben, je crois. On cherche de l'amusement. Dégage. Ouais. Dégage. Il y avait un passage là, là j'ai été, là j'ai pas été là-bas. Il y a des bouteilles vides là parce que j'ai pas ça. Attends, celle-là, attends. Non, celle-là elle est pas vide. Voilà. Celle-là aussi elle est pas vide. Ouais. Nickel, nickel. Ils sont tous vides. Là, il y en a une qui est pas vide. Voilà. C'est une magmonte ça, hein. Hop. Arena.
conserve. Ouais, je fais le truc du propriétaire là. Attention, monsieur. Ouais, c'est barricadé. Bon, bref. Putain, quel fils de pute. Je suis dès que je suis tombé. Ah, c'était intéressant là où j'étais en plus, putain. Fais chier. Rebonjour. C'est lui qui a de la chance. Pas moi. Ouais, j'étais là, hein. On est d'accord. Enfin, j'étais ici. Il y avait des... quelqu'un. Pas. Tu rapportes de la bonne bouffe? Bon. I'm sorry. Je me promène, c'est tout. Oula. Mais bon, ça a marché, c'est bien. Tu vas nous tourner le dos et rejoindre Ashu, c'est ça? Ça te plairait. Attendez, faut que je regarde un truc parce que. Il y a un truc qui m'intrigue. Je sais qu'il faut. C'est ça en fait qui m'intrigue. C'est que j'ai le choix entre prendre une porte et aller voir Ashu. Oui, l'autre, voilà. Ou aller là. Mais là, je sais pas c'est quoi ici. Il y a un truc, mais je sais pas quoi. C'est bon que c'est à haut. Pourquoi ils disent qu'il y a quelque chose ici? Il n'y a rien ici. Vous êtes témoin, il y a le pointeur. Hein. Pourquoi il y a le pointeur ici? Je préférerais qu'il me bute, qu'on en finisse. Je sais pas, c'est bizarre. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a un pointeur ici. Ben, bref, je m'en fous. Tu veux quelque chose? Que tu fermes ta gueule. Allons voir le gros patron. Progrès à faire, hein. Du Sky. Ces gens sont un gros Sky.
je vais vraiment partout, ça va me brûler. Ouais, il y a un truc. Attends, mais c'est pas là où... Bon, bref. On est encore vêt de bouffe. J'ai vu comment t'avais gagné ton ticket vers la ville haute. Ne te fais pas d'idée pour autant. Tu restes un bout de viande. T'as juste changé de catégorie de saucisse, c'est tout. Oh, c'est vraiment appétissant. Je ne suis pas de la barbaque, tu verras. Eh, c'est peut-être pas beau, mais c'est la vérité. On est tous de la barbaque. On peut être champion un jour et casse-dalle le lendemain. Alors, autant faire de notre mieux et se remplir la panse avant de finir dans l'assiette. Bosse dur, et tu deviendras peut-être aussi au top que moi. J'ai l'impression qu'il n'y en a touché aucune. Enfin, moi je dis ça, j'en ai. C'est une meuf. Tu as quelque chose à dire ou tu vas passer ta vie à mater le phénomène? Pas du tout. J'ai des très beaux amis ghouls. Waouh, qu'est-ce que c'est? Ghouls? Qui est-ce que tu traites de ghouls? Dégage avant que je te jette dans la rivière. Pourquoi tu es aussi méchant? Dégage. M'intéresse pas. C'est où? Dégage! On cherche de l'amusement. Dégage! Dégage! Avec ce mot à la bouche! Dégage! Assure. Je te trouve encore. La série. Ouais, il est là-bas, non? Apparemment. Apparemment, il serait vers la base. Attends, non, c'est de l'autre côté. Il serait vers là-bas, en fait. Ici. Ouais, donc il faut que je continue ma route, quoi. Je connais pas les lieux en fait. Je crois que c'est la première fois que je vais ici. Ah bah oui, d'accord. Ah bah effectivement. Ah oui, il est là-haut. Dans ce bâtiment. Je savais que ça me revient, putain. J'adore tes cheveux. Eh, mais c'est la vedette du trou. Tu nous as offert un sacré spectacle là-bas. Heureusement, sinon je t'aurais tiré dessus pour qu'on ne s'ennuie pas trop. Tant mieux que j'ai pu te distraire. Heureusement que tu ne l'as pas fait, j'aurais riposté. Trop bien. J'espère bien. C'est ce que je faisais quand je me battais en bas. Et la foule adore vraiment voir des gens qui en ont. T'inquiète pas que j'en ai, tu veux les voir même? Tu pourras même les toucher, les palper, si tu veux. Si tu veux, j'ai des couilles de trop. Si tes couilles que tu les. Que si tu les avalerais, tu t'étoufferais avec. Tellement qu'ils sont gros, ce putain. Allez-moi ça. Ouais.
Oh, ça alors! Encore quelqu'un de la classe ouvrière qui ose s'adresser à ses supérieurs. Je suis sûre que ça impressionne tout le monde que tu aies tué un porc dans le trou. Ne crois pas que ça nous met au même niveau. Tu peux t'assurer que je... Tu peux t'assurer que je vaux plus que toi. Bien plus. Pourquoi es-tu aussi grasse, garce? Oh, bon, aussi. Oh, c'est ce que tu crois, j'en suis certaine. C'est cette illusion d'égalité qui vous rend en grande partie si pitoyable. T'es nul, c'est tout. Vous avez découvert Haven. What the fuck? Alors, c'est quoi ce machin? Ah, c'est des... C'est des tiges, enfin c'est des câbles de fer. Pourtant, il y a du sang dedans. C'était humain ça? Non, pas humain. Est-ce qu'ils ont capturé un monstre et qu'ils l'ont attaché? Non, c'est juste... C'est juste une œuvre d'art, quoi. Pourtant, il y a un truc dedans. Ouais, c'est une œuvre d'art. Attends, j'ai vu qu'on pouvait aller là-bas. Y'a rien là-bas hein, qui traîne. Ah bah si, y'a une porte. Power plant. Power plant. C'est quoi ça? Power plant. Où je suis? Oh putain. Radax, impact, planète. Je m'en fous. Dormir, ouais. Un petit somme, ça fait toujours du bien. Non, ça, je veux bien aussi. Du psycho. T'as le jet, c'est même plus, il sert à quoi en fait. Ok. Mais il y en a partout ici. Hein. Il y en a partout du jet. Il y a des crayons, regardez. Jolie la casquette. Elle fait combien à poids? Elle fait 1. Je la prends. Elle me plaît. Elle me plaît. C'est vraiment un endroit bizarre ça. C'est... Je pense que c'est là où ils font des pauses. Les personnes que j'ai croisées aussi, je sais pas. Ça sert à ça j'imagine. Bon, je sais pas. Tu veux quelque chose? Le petit sein. Alors, traverser la ville haute, rentrer, rencontrer Ashur à Evan. Je pense que je peux prendre l'ascenseur. Ouais. Oh, quel doux visage. Comment as-tu fait pour sortir du trou? En tuant des gens.
Oh, quel beau visage. Retourne au boulot. Ouah, comment tu me parles? Elle a cru que c'était son esclave. Voilà, fille folle. Vodka. Voilà Rapido. Rapido. Bon, on va prendre l'ascenseur. Pour rencontrer le pit boss des lieux, quoi. Oh, quel beau visage. Retourne au boulot. Change de disque. Merci. Il est là-bas. Je le vois. T'es qui, toi? Qu'est-ce qui te fait sourire, là? Quoi de neuf? Ta coupe de cheveux. Le seigneur Ashur va arriver. Attends à l'intérieur, si tu veux. Je te dis que je m'en suis occupé. Je suis à toi. Le temps de maintenir l'ordre et de rendre la justice. Et j'imagine qu'ensuite, il restera qu'à réveiller les morts. Non, mais je soignerai peut-être un infirme d'ici la fin de la semaine. Si j'en ai le temps, bien sûr. Monsieur, Werner a été de nouveau aperçu en ville, et les conversations entre esclaves ont augmenté. Travailleurs. Quoi ? On les appelle travailleurs. C'est bon pour le moral. Ça leur rappelle qu'ils pourraient gagner leur liberté un jour. Quel que soit leur nom, ils ont accumulé des armes de fortune. D'accord. Mets tes gardes en alerte. Dis-leur de surveiller les gens qui glandent un peu trop dans la ville basse. Et garde constamment un œil sur Midea. S'il doit y avoir du lourd, ça passera forcément par elle. Pour l'instant, j'ai une réunion très importante avec cette personne. Alors s'il se passe quelque chose, utilise l'interphone. Entendu. Bon, la pause est finie. Le seigneur Ashur veut te parler. Bonne chance. Bonne chance. Ben, tiens, il faut que je sauvegarde, moi. Bonne chance, il faut que je sauvegarde. Bon, d'abord je visite, hein, Ashur. Je visite ta demeure. Avant que tu meurs. Alors ça, c'est son lit. Fléchette, ouais, génial. Difficile. Oh, il y a un lit, regardez. J'en sais un bébé alors qu'il y a rien, qu'il y a personne. Bon. Connaissez la musique. Nickel. Ouh la vache. Alors journal de Marie, journal de Fléau. Journal. Alors c'est 11, 12, 13, 14. Mantas, ouais. Z-Boy, ça prend du poil, Z-Boy. Ouais, point 1, putain, chier. Ouais, je m'en vais couiller. Alors, il y a journal 1, journal 2, journal... On va tous les écouter. Il m'a vu ce moment? Non, il m'a pas vu. Oh bah attends, d'abord je vais écouter les journaux. Avant que tu viennes. Ajout de messages. Écoutons-les. Commencez par le 1. Journal 1, à Marie. Test. 1, 2. Ça a l'air de marcher. Marie, si tu es là, c'est ton père qui te parle. Ishmael Ashur. Parfois aussi appelé le seigneur de Pit. Bon, j'espère que tu entendras ça dans 10 ans, assise sur mes genoux, saine et sauve. Pour l'instant, je parie que j'ai l'air idiot. Mais tout ne se passe pas toujours comme on aimerait. Il y a des tas de dangers, y compris ce que ta mère ferait si elle m'entendait parler comme ça. Et je ne veux pas prendre le risque de te quitter sans que tu saches d'où tu viens. Ces disques sont là pour te dire qui était vraiment ton père. Marie, avant toute chose, tu dois savoir que je n'ai pas toujours été le seigneur de Pit. Avant d'être un roi-dieu, j'ai été un érudit
et un soldat. En fait, j'ai fait partie de la confrérie de l'acier. Tu as dû en entendre parler, mais tu ignores ce que nous avons fait à cette ville. Le fléau. À notre arrivée, Pete n'était qu'un cloaque de trogues, de cannibales, et pire. Le commandant nous a ordonné de piller et d'incendier cet endroit. Pete abritait des technos utiles, mais y rester était du suicide. Alors quand une explosion m'a enseveli dans la scierie, mes frères m'ont cru mort. Je ne leur en veux pas d'être parti. J'en aurais probablement fait autant. Nous pensions que rien ne pouvait vivre à Pete. Nous nous trompions. Désolé. Marie, avant toute chose, tu dois savoir que je n'ai pas toujours été le seigneur de Pete. Avant d'être un roi dieu, j'ai été un érudit et un soldat. En fait, j'ai fait partie de la confrérie de l'acier. Tu as dû en entendre parler, mais tu ignores ce que nous avons fait à cette ville. Le fléau. À notre arrivée, Pete n'était qu'un cloaque de trogues, de cannibales. Et pire. Le commandant nous a ordonné de piller et d'incendier cet endroit. Pete abritait des technos utiles, mais y rester était du suicide. Alors quand une explosion m'a enseveli dans la scierie, mes frères m'ont cru mort. Je ne leur en veux pas d'être parti. J'en aurais probablement fait autant. Nous pensions que rien ne pouvait vivre à Pete. Nous nous trompions. Marie, tu connais les combats dans l'arène. Eh bien, le premier date du jour où je me suis réveillé, alors qu'on me sortait d'un tas de décombres. Au début, j'ai cru que c'était mes frères qui me dégageaient. Mais c'était une récupératrice qui voulait me piquer mon armure. Elle ne l'a pas eue. Mais j'ai appris qu'elle faisait partie d'une bande. Ils faisaient des raids pour prendre des trucs à la scierie. Et ça m'a donné une idée. Nous n'avions jamais vu d'aciérie fonctionnant toujours. Dans un monde moribond, c'était une occasion de reconstruire. Et ça, c'était sans prix. Les récupérateurs m'ont pris pour un dieu. Avec ce que j'avais appris à la confrérie, le reste a été facile. Nous avons commencé à bâtir une ville. Dès que la nouvelle s'est répandue, la ville s'est mise à grandir. Vite. Quand des raiders attaquaient, je tuais le chef et recrutais les autres. Il le fallait. Avec la maladie, eh bien les naissances, il a fallu recruter. Avec la croissance, la scierie a réclamé plus d'ouvriers. Et oui, ça signifiait recruter des travailleurs par la force. Je n'en suis pas fier, mais c'était le seul moyen pour s'alimenter et se défendre. Mais ça ne pouvait être que temporaire, jusqu'à ce que quelqu'un trouve un remède contre l'épidémie. Sandra et moi y avons travaillé jour et nuit. Et au terme d'une nuit de travail particulièrement longue, nous l'avons trouvé. Ce remède est en toi, Marie. En ce moment, nous faisons tout notre possible pour faire profiter la ville de ce don. Sans te mettre en danger, bien entendu. Lorsque tu auras l'âge d'entendre ceci, tu seras une héroïne. Félicitations, Marie. Tu nous as tous sauvés. J'en étais sûr. Ouais.
Déjà, t'as le mec là qui oblige des gens à venir ici pour les faire travailler. Il y a un gosse et il s'en sert pour soigner les autres qui sont blessés, quoi, pour qu'ils continuent à travailler, si j'ai bien compris, quoi. Et puis, ouais, quoi, je. Oh. Bref. Parti. De. Attends. Du moment où tu prends une minorité et que tu en fais des esclaves, tu peux que être méchant. Hein, mon pote? Beau boulot dans le trou, 109. Je savais que tu ne faisais pas partie des travailleurs ordinaires. D'où ma question. Qui es-tu? Et que viens-tu faire dans ma ville? Je suis ton père. Je vais mettre la webcam. Est-ce que ça va si je mets la webcam comme ça? Alors. Voilà, je vais la mettre comme ça parce qu'en fait, j'ai mon pied qui est pété. Je vais vous montrer. J'ai pété mon pied de la webcam la dernière fois où j'ai ragé. Je crois que c'était sur Resident Evil. Ouais. C'était sur Resident Evil. Avec la copane d'Ada, j'ai ragé comme un gros porc et j'ai tapé quand la caméra comme ça elle était juste là. Et ben le pied, ben, il a pété. Je sais pas si je peux vous montrer vite fait. Voilà, regardez. Ça c'était le pied de la webcam quoi. Il a pété. Donc je le faisais tenir comme ça. Ben toi, ben, je peux plus. Bon après là vous voyez bien que je peux la poser quand même. Donc je peux mettre comme ça à droite et puis voilà que voilà vous voyez que ça fait le job quoi. Nickel, parfait. Faut pas se prendre la tête. Donc voilà, j'ai entendu dire que Pete formait une armée, je vais m'engager. C'est compliqué, disons que je viens d'arriver et que je cherche un boulot. Je suis l'archange qui va vous buter et libérer les esclaves, je suppose. Tu as bien entendu. Et après un tel spectacle, comment pourrais-je refuser quelqu'un ayant un tel talent? Le reste du monde tente de survivre. Mais nous avons une armée, une industrie. Et depuis peu, nous n'avons plus à craindre les radiations. Mais il nous reste quelques petites choses à régler. Dis-moi, as-tu entendu parler d'un dénommé Werner? Alors, tu sais qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il s'est enfui après un coup d'État raté. Et je crois qu'il met sur pied une révolte d'esclaves. Tu connais les esclaves, Everner. Alors tu occupes la position idéale pour en finir avec lui. Fais-le. Et je te nommerai lieutenant dans mon armée. C'est ce que j'espérais entendre. Un brillant avenir t'attend à Pit, 109. En fait, j'aimerais te dévoiler un petit secret et te montrer l'incroyable atout qui va nous assurer la suprématie dans les terres désolées. Je crois que le moment est venu de te présenter le remède. Retournons au labo, où Sandra pourra tout t'expliquer. Seigneur Je ne te retiens Asher, pas. les esclaves se révoltent et Je ne te quelqu'un leur a retiens fourni pas. des armes. Il Je faut ne te vous retiens renier, pas. et vite! Bon sang, j'arrive. Ah, les esclaves, ils se. Réfléchis à la mienne. Débarrasse-nous de Werner, et tu auras un avenir radieux à Pete. Ne me déçois pas, 109. Alors, le remède dans le palais d'Azur. Trouvez le remède dans le palais d'Azur. Apparemment, il y a les esclaves qui se révoltent là. C'est le bordel total, quoi. Bon, alors. C'est quoi le mieux de... Je sais pas quoi faire en fait. Que je sais que si ben le remède, je peux le prendre, je peux le ramener à celui-là qui. Mais qu'est-ce qu'il va en faire aussi, putain. En fait, c'est juste la meuf que j'ai rencontrée qui va en prendre soin, mais je sais pas plus quoi. Hello. Sandra. Oh. Ashur m'a dit que tu passerais peut-être, mais je pensais à autre chose.
La petite Marie est un ange, mais elle réclame de l'attention. Je m'appelle Sandra. Ashur m'a affectée aux recherches médicales de Pete, et Marie est notre fille. Notre petit miracle, en fait. Pardon, mais le seigneur Arthur a dit que vous pourriez me montrer un remède. Je me fuse de votre grotte. Où est le remède? J'ai l'impression que ce n'est pas le jour de la crèche au travail. J'ai compris. J'ai l'impression que ce n'est pas le jour de la crèche au travail. Oh, je déteste qu'il l'appelle comme ça. Franchement, ce n'est pas une manière d'appeler sa fille. Je suis d'accord. Attendez, vous voulez dire qu'elle a une immunité naturelle et transmissible? Alors, trouver le remède, enlever le bébé et partir, ou partir sans le bébé. Pourquoi ils veulent que je parte sans le bébé? Je serais mieux demandé, mais est-ce que... Ah, mais je suis peut-être pas obligé de les tuer. C'est une blague. Comment un bébé pourrait-il être un remède? D'accord, alors le remède, c'est le bébé. Dans ce cas, je l'amène aussi. Je l'amène, merci. Eh bien, voilà une bonne surprise. Apparemment, Ashur et toi êtes les deux seuls autres à vous y connaître un peu en science, ici. Oui, il semble que notre fille ait une immunité naturelle à toute forme de mutation. C'est un véritable miracle. J'essaie encore de déterminer pourquoi, mais elle pourrait détenir la clé au problème Trog de Pete. Et peut-être même d'autres mutations. Vous n'avez pas peur de faire du mal à Marie? Vous faites des expériences sur votre propre gamine. C'est monstrueux. Vous n'avez pas peur de faire du mal à Marie? Oh non, ces tests sont sans aucun danger. En fait, entre le berceau et son incroyable santé, c'est probablement l'enfant le plus en sûreté au monde. Ashur et moi ne mettrions jamais sa santé en danger. Et si ça ralentit le développement d'un remède complet, eh bien, tout le monde attendra. Si je peux faire quelque chose pour vous aider, dites-moi. Je regarde, mais les esclaves n'ont pas le temps d'attendre. J'arriverai pas, ouais. C'est gentil, mais on n'a besoin de rien. Si tu veux vraiment nous aider, va voir pourquoi Ashur a dû filer si vite. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, il me reste un examen à faire avant la sieste de Marie. Bah fais donc. Je peux vous piquer des trucs? Non, ok, c'est cool. Attendez, je vais fouiller dans le lit. Mec, normal. Moniteur bébé. État de bébé bien portant. Étude. Trog. Contagion de la dégénérescence trénologique. Recherche du docteur Sandra Benin. L'épidémie sévissant dans les environs de Pite que j'ai baptisé contagion de la dégénérescence trénologique. Semble avoir pour cause les radiations intenses, mais les toxines et polluants propres à Pite. Toute personne vivant dans le secteur touché par le CDT subit des lésions cutanées. Divers effets psychologiques, mais c'est la psychologie. Sur environ 20% des adultes, la maladie continue à d'évoluer pour entraîner une dégénérescence des facultés de raisonnement. Recherche remède. Et voilà le bébé que ils appellent le remède. Activez go. Laissez Marie endormie dans son lit. Prendre Marie et l'enlever. La petite Marie dort paisiblement dans son lit soigneusement amonotée et reliée à divers appareils de suivi médical. La déplacer risque de causer des problèmes avec sa famille. Laissez Marie. Oh, bonjour. Un bébé. Bon, si ça coupe, c'est pas moi. Vous connaissez la musique à force. Hein.